Séquence 1 Je m'entraîne 1. Chante avec tes camarades Qui suis-je Je vis dans le grand désert Je porte des tentes très grosses Sur mes deux bosses, sur le sable du désert Je transporte des habits et du riz Léger et rapide, je suis le... Qui est l'animal qui correspond à l'image? Un chien? Un chameau? Un chat? B. Recopie le poème dans ton cahier, puis souligne les verbes en vert et les compléments d'objet direct en rouge. Je regarde l'image. Cet animal est un chien? Non, cet animal n'est pas un chien. Cet animal est un chat Non, cet animal n'est pas un chat. Cet animal est un chameau Oui, cet animal est un chameau. Je réponds donc à la question A. L'animal qui correspond à l'image est un chameau. B. Je recopie le poème dans mon cahier, puis je souligne les verbes en vert et les compléments d'objets directs en rouge. Je souligne les verbes en vers. Vie. Verbe vivre. Le lion vit dans la savane. Porte. Verbe porter. Elle porte un chapeau sur sa tête. Transporte. Verbe transporter. Le patient est transporté vers l'hôpital le plus proche. Suis. Le verbe être. Je suis une girafe comment reconnaître le complément d'objet direct pour reconnaître le cod, il suffit de trouver le verbe et son sujet et de poser la question après le verbe quoi qui je porte des tentes. le sujet est je, le verbe porte. alors je pose la question je porte quoi je porte des tentes. des tentes est le complément d'objet direct. Je transporte des habits et du riz. Je trouve le sujet. Le sujet est je. Le verbe transporte. Je pose la question. Je transporte quoi Je transporte des habits et du riz. Des habits, du riz, COD. Je suis le chameau. Je suis qui Je suis le chameau. Le chameau, COD. 2. Décris cette gazelle bizarre, puis présente-la à tes camarades. N'oublie pas de lui donner un joli prénom, une patte, une queue, des cornes, des oreilles, un museau, un poitrail, des yeux, un ventre, un front. Cette gazelle s'appelle Juliette. Elle a un grand nombre de couleurs variées. Ses pattes sont de couleurs vertes, marron, bleues et violette. Elle a un museau violet, un front bleu, des oreilles vertes, des yeux bleus. Elle a aussi des cornes colorées en rose et rouge, un poitrail jaune, un ventre rose. Et une queue bleue. C'est une gazelle très bizarre. Je regarde l'image. J'écris vrai ou faux. C'est un lézard du désert. Vrai. Il a deux cornes. Faux. Il a quatre pattes fines. Vrai. Il est brun. Vrai. Il a une petite queue. Faux. Il vit dans le désert. Vrai. Je corrige ce qui est faux pour décrire l'animal. Il a deux cornes. Faux. Il n'a pas de cornes. Il a une petite queue. Faux. Il a une longue queue. Je décris le lézard. Le lézard est un petit reptile. Il vit dans le désert. Il a quatre pattes fines et une longue queue. Il est brun. C'est un lézard du désert. 4. À partir de la photo d'un animal de ton choix, écris un texte pour le décrire. Puis, présente-le à tes camarades. Notre projet. Nous écrivons des devinettes pour décrire un animal. 1. En petit groupe, choisissez un animal qui vit dans le désert. Voici une liste un dromadaire, le lézard, un serpent, un scorpion. Cherchez les informations sur l'animal choisi. Vous pouvez utiliser le dictionnaire. 2. En petit groupe, écrit une fiche de vignette avec des indices pour décrire l'animal choisi. Elle est un animal rapide. Elle est délicate. Elle se nourrit de plantes et de feuilles d'arbres. Elle a des cornes et des pattes fines. C'est la gazelle du désert. 3. Jouez aux devinettes avec vos camarades. Il est un animal. Il chasse les animaux. Il a quatre pattes avec des griffes. Il a des rayures noires sur le dos. C'est un. Votez pour choisir la meilleure devinette. Vous la présenterez à la fête de la fin du trimestre. Je donne des informations sur l'animal choisi. Yessine a choisi le dromadaire. Il donne les informations sur l'animal choisi. Le dromadaire possède une seule bosse. Il est herbivore. Il habite le désert. Il transporte des marchandises. Sophien a choisi le lézard. Le lézard est un reptile. Son corps est recouvert d'écailles. Il a quatre pattes. Il est capable de perdre sa queue. Messinissa a choisi un serpent. Le serpent est un reptile. Son corps est recouvert d'écailles. Il est carnivore. Il est venimeux. Youssef a choisi le scorpion. Le scorpion a quatre paires de pattes. Il a une longue queue. Il a deux énormes pinces. Il injecte du venin. J'écris une fiche de vignette avec des indices pour décrire l'animal choisi. Je choisis la girafe. Elle est unique par sa taille. Elle peut atteindre 6 mètres de haut. Elle a de longues pattes et un long cou. Elle est de couleur marron avec des traits blancs. Elle vit dans la savane et se nourrit de végétaux. C'est la girafe. Il est un animal. Il chasse les animaux. Il a quatre pattes avec des griffes. Il a des rayures noires sur le dos. C'est le tigre. Il a des pinces, une longue queue, dans l'aiguille qui est au bout. Peut tuer par son venin. De quel animal s'agit-il Un scorpion. Je suis un animal. Je suis brun. J'ai quatre pattes. Je vis dans les pays chauds. J'ai une bosse. Qui suis-je La réponse est un dromadaire. J'ai quatre pattes et une longue queue. Je suis vert. J'ai des écailles. J'aime me reposer sur des pierres chaudes au soleil. Qui suis-je La réponse est le lézard. Je suis un reptile. J'ai un corps long. Je suis recouvert d'écailles. Je me déplace en rampant sur le sol. Qui suis-je La réponse est le serpent. Qu'est-ce qu'un reptile Un reptile est un animal qui se déplace en glissant sur son ventre. Le reptile rampe. Exemple de reptile, le lézard, le serpent, la tortue et le crocodile. Le venin est un poison que produisent les guêpes, les scorpions, certains serpents et certains araignées. Je suis le roi des animaux. Je vis dans la savane en groupe. Je chasse les gazelles, les girafes et buffles pour me nourrir. J'ai une crinière noire. Mes dents sont longues et pointues. Elles servent à tuer et à déchirer la chair. Qui suis-je